Buenas tardes. Quería agradecerle su asistencia esta tarde. Tenemos el placer de tener con nosotros a Marina Ferretti, comisaria de la exposición Caillebotte, pintor y jardinero, que va a dar una conferencia sobre la exposición. Marina es historiadora del arte, es especialista en impresionismo, neoimpresionismo y postimpresionismo, y es la directora artística, directora de exposiciones e investigación del Musée des Impressionnistes de Giverny. Ha comisariado numerosas exposiciones, tanto en Giverny, entre ellas Bonnard en Normandía y la exposición última de Degas. También ha comisariado diferentes proyectos en Francia, entre ellas la exposición de neoimpresionismo en el Musée d'Orsay en 2005. Y en cuanto a sus exposiciones internacionales, podríamos destacar la de Signac, en 2001, que tuvo lugar en el Gran Palais, en París, en el Museo Van Gogh de Ámsterdam y en el Metropolitan Museum de Nueva York. Bueno, no quería robar más su tiempo y damos inicio a la conferencia de Marina. Muchísimas gracias por estar aquí y también quería agradecer al Institut Français de Madrid su colaboración. Voilà. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence Caillebotte. Gustave Caillebotte est longtemps resté le plus méconnu des peintres impressionnistes et aujourd'hui il est souvent considéré comme l'un des plus grands aux côtés de ses amis Renoir et Monet. Au cours de cette conférence, je vais évoquer les œuvres de l'exposition que certains d'entre vous ont certainement déjà vues. Je vais aussi élargir le sujet en comparant certaines œuvres de Caillebotte avec celles de ses amis impressionnistes. Et comme il est plus facile de convoquer une diapositive pour une conférence qu'un tableau pour une exposition, je vais en profiter pour vous montrer certains tableaux qui ne sont pas venus parce que ce n'était soit pas nécessaire ou parce que c'était tout simplement impossible. Alors cet exposé commence avec la comparaison de deux autoportraits de Gustave Caillebotte. Sur celui-ci, peint en 1879, Caillebotte a 30 ans et cet autoportrait est un portrait de fonction. Caillebotte se présente en peintre dans un atelier parisien qui tient beaucoup du salon avec son divan, son lecteur et ses dorures haussmanniennes. La palette et les pinceaux à la main, devant un chevalet où la toile est en cours, il pose manifestement et il se regarde dans le miroir qui se trouve à notre place. Pour exposer ses convictions en peinture, c'est un tableau de Renoir, le fleuron de sa collection qu'il destine déjà à entrer dans les musées nationaux, qu'il présente derrière lui. Ce tableau donne aussi la gamme chromatique, bleu sombre et rose. Son goût de la nature est exprimé ici assez discrètement par la plante en pot à gauche du portrait. C'est un portrait manifeste, mais certainement pas un portrait psychologique. Le visage est relativement fermé et Caillebotte pratique ici une observation détachée. Je vous montre ici le tableau de Bal du Moulin de la Galette que vous voyez au fond du tableau de Renoir. C'est une des œuvres dont il est le plus fier. C'est aussi Renoir qui sera l'exécuteur testamentaire et qui va s'occuper de faire entrer le legs Caillebotte dans les collections nationales, c'est-à-dire faire entrer tout simplement l'impressionnisme dans les collections nationales françaises. Ça n'a pas été une opération facile et Caillebotte savait qu'il devait confier cette tâche à quelqu'un d'extrêmement tenace pour y arriver. Ici, un tout autre autoportrait, peint en 92, peu avant la mort de l'artiste. Caillebotte a 44 ans, il va mourir un an plus tard et le legs de sa collection de tableaux au musée sera l'origine d'un scandale retentissant qui effacera durablement le souvenir de son œuvre. En effet, on va se souvenir éternellement du mécène, du grand collectionneur qui fait entrer l'impressionnisme dans les musées, mais on va très vite oublier le peintre pour la simple raison qu'il n'a rien fait lui-même pour défendre la mémoire de son œuvre. Il n'a pas inclus de tableau de sa main dans la donation qu'il fait à l'État et même de son vivant, il n'a jamais essayé de vendre ses propres tableaux ou de les exposer une fois que les expositions impressionnistes étaient terminées. Il se dévouait beaucoup plus pour l'œuvre de
ses amis impressionnistes que pour son œuvre propre et pensait probablement que d'autres s'en occuperaient à sa place, mais apparemment il a fallu attendre vraiment très longtemps avant qu'on redécouvre ses tableaux. Sur cet autoportrait, Caillebotte se présente de manière radicalement différente de l'autoportrait précédent. Ici, nous n'avons aucun décor, aucun accessoire, même pas les mains, qui sont quand même un des éléments essentiels du portrait traditionnellement. Mais nous nous trouvons en revanche devant un portrait psychologique d'une intensité rare, ce qui était tout à fait absent du précédent tableau. L'artiste s'est concentré sur l'expression, sur sa propre expression, son attitude dit son caractère décidé, entier, et le regard nous interroge. Ici, l'artiste fait plus que s'observer et il exprime une profondeur et une gravité bouleversantes. Alors, je vous avais dit que je vous montrerais des tableaux qui ne sont pas venus à l'exposition, et celui-ci n'avait pas tellement lieu d'être, mais pour resituer l'artiste dans son contexte, comme l'indique le titre de l'exposition, peintre et jardinier, le fil conducteur de l'exposition est l'intérêt de l'artiste pour les jardins et l'horticulture, mais l'exposition se veut aussi monographique, et le parcours du visiteur, comme vous le savez pour nombre d'entre vous, s'ouvre avec les œuvres des premières années à Paris et se termine avec les dernières toiles laissées inachevées en 1894. Caillebotte est né à Paris en 1848 dans une famille de la haute bourgeoisie et n'aura jamais aucun problème financier. Le jeune Gustave Caillebotte assiste en première ligne aux grands travaux haussmanniens qui vont donner à Paris le visage que vous lui connaissez aujourd'hui. Et dès 1860, il vit dans un hôtel particulier flambant neuf, à l'angle de la rue de Miroménil et du boulevard Haussmann, c'est-à-dire au centre des nouveaux quartiers haussmanniens. C'est cet univers d'ailleurs qu'il va décrire, et il peint les ouvriers avec une précision dans l'étude des gestes et des attitudes qui témoigne d'une observation détachée, sans parti pris ni misérabilisme. Ici, je vous présente la version aboutie du musée d'Orsay, qui ne figure pas à l'exposition, mais qui est évoquée à l'exposition par une esquisse et plusieurs dessins préparatoires. Ils permettent d'évoquer la formation de l'artiste, qui est une formation classique. Caillebotte réussit son concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts après avoir suivi l'enseignement du très classique Bonnat. Et chez lui, l'élaboration du tableau passe, comme chez les artistes formés à l'école des Beaux-Arts à l'époque, par plusieurs étapes préparatoires, les croquis sur le motif, Caillebotte est d'ailleurs un très grand dessinateur, les esquisses, puis l'élaboration d'une composition à l'atelier avec une mise au carreau avant d'entreprendre la composition finale. La composition est particulièrement originale avec la scène vue en plongée et l'effet de perspective en oblique est très particulier. Toutefois, nous sommes plus proches ici du naturalisme. Ça va ? Vous ne m'entendez pas ? D'accord. Je vais ralentir le rythme. D'accord. Ça va faciliter aussi le travail. Nous sommes ici plus proches du naturalisme que de l'impressionnisme. On le remarque notamment pour la précision du dessin, l'utilisation et le choix de couleurs neutres, mais l'effet de lumière finement observé relève déjà d'une préoccupation qui va être vraiment celle des impressionnistes. Ce tableau a longtemps été l'unique Caillebotte connu des visiteurs du musée, et notamment de l'actuel musée d'Orsay. Il est entré effectivement par donation au moment du legs Caillebotte en 1894, et c'est Renoir, son exécuteur testamentaire, qui a choisi de faire entrer ce tableau dans les collections nationales. Le tableau avait été refusé au salon de 1875, c'était la première grande composition importante de Caillebotte, et c'est la première fois aussi qu'il affrontait le jury du salon officiel. Il a été refusé et dès lors il s'est tourné vers les impressionnistes, il a commencé à acheter leurs œuvres, organiser les expositions, et il a décidé dès 1876 de léguer sa collection à l'État. Et quand Renoir a dû choisir un tableau dans l'œuvre de Caillebotte pour le représenter dans les musées nationaux, il avait un grand sens de l'humour et ça l'a sûrement certainement amusé de choisir une œuvre qui avait été refusée par le salon officiel et de la faire entrer par ce biais dans les collections officielles également.
C'était amusant, mais ce n'était peut-être pas une très très bonne idée pour la mémoire artistique de Caillebotte, parce qu'effectivement, l'histoire, ce tableau est relativement peu impressionniste, et donc quand l'histoire de l'impressionnisme a commencé à s'aigrir, même quelqu'un comme Riewald ne cite Caillebotte que comme grand mécène et comme grand collectionneur, et ne cite pas ses œuvres, parce qu'on ne connaissait pas à l'époque ses œuvres impressionnistes. Alors, excusez-moi. Voilà, un très beau dessin pour vous montrer cette attention très précise aux gestes, aux attitudes, aux instruments utilisés par les ouvriers. C'est une chose, une attention, vraiment un besoin d'observation précise qui ne relève pas de l'impression, je dirais, mais vraiment de la connaissance et de l'observation prolongée qui caractérise l'œuvre de Caillebotte, et aussi qui est un bel exemple de son talent de dessinateur, qui est une chose encore relativement méconnue. Pour les scènes parisiennes, je vous montre plusieurs tableaux. Ici, vous avez notamment cette esquisse du Pont de l'Europe peinte en 76, où vous retrouvez cet intérêt pour le Paris haussmannien, cette fois-ci vu en scène d'extérieur. Ici, nous nous trouvons sur le Pont de l'Europe. L'ouvrier que nous voyons à droite regarde les trains et en direction de la gare Saint-Lazare. Ce sont ces quartiers neufs qu'habite Caillebotte et qu'il fréquente à cette époque-là. Nous sommes tout près d'ailleurs de l'atelier de Manet, par exemple. Et je vous présente ici la composition finale où Caillebotte a intégré plusieurs personnages, outre l'ouvrier que nous voyons dans l'esquisse précédente, également un bourgeois au chapeau haute forme et une dame élégante sur laquelle nous reviendrons. L'ouvrier est évidemment un des acteurs principaux de ce nouveau Paris qui se construit, la classe ouvrière commence à s'identifier véritablement comme une force politique et sociologique à l'époque du Second Empire en France. La bourgeoisie prend une assurance de plus en plus forte et la grande bourgeoisie contribue beaucoup à la promotion immobilière financièrement de la construction de ce nouveau Paris. Et c'est cette dame qui n'est pas vraiment la compagne du monsieur à haute forme que nous voyons, mais qui semble lui adresser la parole et une parole qui semble retenir l'attention de ce monsieur, est trop élégante bien sûr pour être une ouvrière et ne peut pas être une bourgeoise, car simplement une bourgeoise ne sort pas seule dans les rues à Paris à cette époque-là. Donc voilà, ce sont les trois classes sociales qui caractérisent un petit peu ce nouveau Paris haussmannien, et ce sont aussi les personnages qu'on retrouve par exemple dans les romans de Zola, et notamment la curée qui évoque la spéculation immobilière et le Paris en pleine spéculation d'Haussmann. Ici, encore une vue de Paris. Je profite, comme je vous l'ai dit, de la facilité de convoquer les images pour vous en montrer plusieurs. Ce très célèbre tableau qui est intéressant, ces vues de Paris avec ses perspectives très particulières, très appuyées, cette maîtrise des nuances de gris qui correspond très bien à la vision qu'on a de Paris. C'est qu'il s'agisse du temps, des vêtements, des parapluies ou du pavé, nous sommes véritablement dans une grande déclinaison de toutes les nuances de gris ici. Le seul petit élément de couleur que nous voyons, c'est le vert du réverbère et le vert et le marron de la façade d'un commerce à droite de la composition. Cet élément, on le retrouve dans ce tableau qui est présenté à l'exposition. C'est un tableau, là, de nouveau, Caillebotte s'intéresse à l'univers ouvrier, mais vous voyez aussi que le bourgeois au chapeau haute forme est présent. Et l'élégante qui traverse la rue est présente, elle aussi, trop élégante pour être ouvrière et trop seule pour être une bourgeoise. Donc, de nouveau, c'est ces aventurières qui sont. Ici, vous avez un tableau qui est très caractéristique de cette vision du tout premier Paris en train de se construire, avec ses perspectives très dures, très, très géométriques, et ses tonalités gris-blanc qui le caractérisent. Pas une once de végétation dans ce
ce Paris qui est en train de se construire. Et le seul élément de couleur, c'est encore une fois cette façade que sont occupés à peindre les peintres qui sont représentés ici. C'est la façade d'un marchand de vin. Vous voyez les bouteilles de vin en bas. Et on retrouve cette attitude détachée devant l'observation du monde ouvrier. Caillebotte ne prend pas parti. Et c'est une attitude, je dirais, très moderne. Cette manière d'observer l'univers, le monde nouveau qui est en train de se mettre en place, sans porter de jugement favorable ou défavorable. Simplement, Caillebotte assiste à une transformation de la société comme une transformation du cadre de parisien et le décrit et se plaît manifestement à l'observer énormément et le décrit tel qu'il le voit en voulant, souhaitant être le plus fidèle possible. Vous avez ici, par exemple, dans l'exposition, ce tableau est présenté, vous avez la composition finale, l'esquisse préparatoire et un très bel ensemble de dessins préparatoires, ce qui vous permet de bien comprendre comment Caillebotte travaille à cette époque-là. Et vous avez, notamment, j'ai choisi ce très beau dessin qui n'est pas retenu pour la composition finale, mais qui montre ce jeune apprenti peintre en train de mélanger les couleurs avec une reprise du détail de la main, de nouveau cette attention très précise au geste. Qui est très, très particulière à Caillebotte. Quelques années plus tard, nous voici en 1880, toujours à Paris, avec ce très beau tableau qui représente un balcon, boulevard Haussmann, donc ça c'est le quartier qu'habite Caillebotte, et nous voyons de nouveau ces personnages caractéristiques de la société du temps, le bourgeois au chapeau de forme et le petit employé avec le chapeau melon, une attitude plus décontractée, un personnage moins typé. Vous avez toujours ces immeubles haussmanniens qui apparaissent flambant neufs comme des sortes de falaises de pierre et de fer. Et puis vous avez aussi un élément neuf, ce sont les arbres qui ont été plantés le long des boulevards parisiens, ces marronniers qui, vous le voyez, sont traités d'une manière très apporte la seule couleur à la composition, mais également sont traités dans une technique assez différente de celle qui décrit les immeubles et notamment la rambarde du balcon au premier plan. C'est une technique beaucoup moins lisse, beaucoup moins compacte et une technique qu'on pourrait dire plus impressionniste que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Les arbres sont traités en petites touches rapides, lumineuses, et apportent non seulement la couleur mais aussi un sentiment de vie qui était un petit peu absent de ces rues flambant neuves et encore en travaux que nous avons vues précédemment. La même année, très très beau tableau, à mon avis un des tableaux les plus importants de Caillebotte que vous pouvez voir ici dans l'exposition, ce boulevard vu d'en haut qui est d'une originalité que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. Il faut savoir que tout simplement cette manière de voir la ville d'en haut, eh bien, elle est apparue justement dans ces immeubles haussmanniens qui étaient plus hauts que les immeubles précédents et qu'elle est tout à fait neuve. On a beaucoup dit que c'était une vision photographique. C'est pas tellement évident parce qu'à l'époque vraiment la caméra photographique est assez lourde, assez compliquée et c'est un peu plus tard qu'on va multiplier ces vues, notamment depuis New York, des gens comme Steichen vont faire une photographie magnifique, mais là on est vraiment très tôt et je pense que c'est plutôt l'influence des estampes japonaises que collectionnait Caillebotte comme tous les artistes à la mode de son époque qui a influencé cette vision vraiment profondément originale. Simplement pour vous donner une idée de l'originalité, voici un tableau de Pissarro, peint beaucoup plus tardivement, où vous avez là le traitement, je dirais, de l'espace typique du premier impressionnisme, avec une perspective bien cadrée, telle que, tout à fait traditionnelle en fait, avec une présence du ciel vraiment importante et une ligne de fuite bien clairement affirmée, de manière à donner un sentiment d'espace, de profondeur, de mimer d'une certaine manière le spectacle de la ville quand nous la regardons. Je reviens
En arrière. Chez Caillebotte, au contraire, vraiment, on sent une envie d'affirmer les deux dimensions de la toile et pas du tout de creuser l'espace, de permettre à l'œil de fuir véritablement. Et avec cette absence de ciel, nous avons quelque chose d'extrêmement novateur dans la peinture à cette époque-là. Nous avons non seulement cette présence de la rue, vous voyez l'arbre avec le banc, c'est le nouveau mobilier urbain aussi qui se développe, la grille qui entoure et qui protège ce tout jeune arbre qui est encore très fragile, mais ces grilles existent toujours hein, le long des boulevards à Paris, et puis un arbre effectivement qui est fragile, certes, nous sommes au printemps, le feuillage n'est pas encore très, très développé non plus, mais qui joue un rôle essentiel dans la composition parce qu'il affirme justement, il crée une sorte de deuxième grille graphique avec le jeu des branches qui répond en fait au motif de la grille qui se trouve sur le trottoir, et il donne une unité extraordinaire à ce tableau et une originalité vraiment tout à fait exceptionnel à l'époque. Alors voilà. Quand Caillebotte ne peint pas à Paris, eh bien, il peint à Hyères, dans la propriété familiale, une propriété que le père de Caillebotte, Martial Caillebotte, a acquise en 1860, à peu près en même temps que l'immeuble du boulevard Haussmann. Il a acquis cette très belle propriété qui se trouve à peu près à 60 km de Paris. C'est une propriété très élégante avec un hôtel particulier de style empire, néoclassique, un très grand jardin, un très très grand parc à l'anglaise avec des chemins, des collines, des fabriques. Il y a une chapelle, il y a une maison suisse, il y a une glacière, il y a enfin tout ce que le jardin aristocratique du 18e en fait proposait dans son esthétique des jardins. Il y a aussi des bois, des prairies, il y a un magnifique potager. Ce jardin et cette maison existent toujours aujourd'hui. Ils ont été rachetés par la ville d'Hyères et on peut visiter non seulement le jardin, la maison, bon, on n'est est plus intéressante, je dirais, de l'extérieur parce que le mobilier d'origine est relativement peu conservé. Et surtout, on peut non seulement voir le jardin, mais le potager qui a été complètement restauré et qui est vraiment une chose tout à fait passionnante, intéressante. C'est devenu simplement aujourd'hui un jardin public dont bénéficient les visiteurs et surtout les habitants d'Hyères. C'est à Hyères donc que Caillebotte peint ses premières impressions sur le motif. Ici, je vous montre ces petites études qui sont des petits trésors assez peu connus dans l'œuvre de Caillebotte, où on le voit tout jeune peintre s'exercer véritablement à observer la lumière, le coucher du soleil, le changement des couleurs dans la nature. Et on sent que ce que nous n'avons pas vu jusqu'à présent dans les scènes parisiennes, on sent qu'il y a une réelle sensibilité à la couleur, à la lumière, et cette sensibilité, elle va se développer évidemment beaucoup plus quand il peint à Hyères que quand il peint à Paris, qui tout simplement est peu coloré à cette époque-là. Vous avez ici une très belle composition très tôt, où vous retrouvez en fait les mêmes les constantes de composition, le même traitement que celui que Caillebotte a adopté pour ses vues parisiennes. Cette originalité de la composition, je dirais aussi l'originalité du sujet, parce que on ne peut pas trouver un sujet plus insignifiant que les ronds que la pluie dessine à la surface de l'eau. Et c'est bien le sujet du tableau. C'est vraiment l'observation d'un effet climatique, atmosphérique particulier, tout à fait insignifiant, qui a une réelle poésie, effectivement, et qui montre une réelle sensibilité à la nature. Vous voyez qu'ici aussi, il y a un parti pris d'oblique, un refus de creuser la perspective, que également le ciel apparaît fort peu et à travers un rideau d'arbres. Et s'il apparaît quelque part, ben il apparaît surtout à la surface de l'eau. En fait, c'est le reflet du ciel qui donne sa luminosité au tableau. Un ciel un peu gris, hein, nous sommes toujours en région parisienne, nous ne sommes pas en Méditerranée, et cette luminosité est vraiment tout à fait caractéristique du lieu.
Autre vue de cette propriété ailleurs, cette prairie qui a beaucoup, beaucoup amusé les critiques de l'exposition impressionniste quand elle a été présentée. Cette vache au premier plan, alors que la propriété, je pense que vous pouvez la deviner tout au fond de la perspective là-bas, disparaît complètement, a paru totalement absurde et incongrue. C'est un petit peu comme si aujourd'hui on mettait, sauf qu'aujourd'hui on pourrait le faire sans aucun problème, on mettrait une tondeuse à gazon en premier plan d'une vue d'une maison ou d'un jardin. Donc c'est un petit peu ça. Pour le reste, vous reconnaissez le parti adopté aussi dans les œuvres précédentes, c'est-à-dire cette vue en plongée, cette manière de voir ce qui se comprenait bien depuis un immeuble haussmannien, se comprend un petit peu moins bien d'une prairie, donc où il est difficile d'imaginer en fait que Caillebotte s'est monté sur une échelle pour observer la prairie en plongée ou grimper sur un arbre. Donc c'est vraiment un parti pris esthétique, c'est ce que je veux dire, ce n'est pas un réalisme, là c'est vraiment un parti pris esthétique pour donner, affirmer vraiment cette bidimensionnalité de la toile et cette volonté de créer une unité très forte. Vous retrouvez le procédé de l'arbre ici, un arbre plus puissant que celui que nous avions vu dans la représentation du boulevard Haussmann, mais le procédé est le même et l'intention esthétique est vraiment la même, toujours de ramener la composition à l'idée d'une surface plane qui sera bientôt la définition de la peinture dans les années 1890, avant d'être un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou quelconque scène mythologique. Un tableau est avant tout une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Eh bien, Caillebotte commence à préparer, je dirais, ce genre de définition dans ces tableaux. Ici, nous retrouvons le peintre des perspectives. C'est une vue du potager d'hier, très beau potager. Et nous retrouvons aussi cette sensibilité à la couleur, à la lumière qu'on a remarqué dans les petites études précédentes. Et un goût très prononcé pour le bleu violet, pour les ombres violettes, pour le rose. Des couleurs qui vont vraiment attirer autant de critiques à Caillebotte que le gris des images parisiennes lui avait attiré dans les expositions précédentes. Donc, et là, on retrouve aussi ce traitement plus libre, plus rapide de la touche également, qui va caractériser les œuvres à venir. Ce tableau-ci est intéressant aussi parce qu'il vous présente deux aspects, deux préoccupations. Bon, c'est toujours le jardin du mur du potager, donc nous sommes toujours dans la propriété d'hier. Mais vous voyez ce contraste très accusé entre l'allée qui est traitée d'une manière rectiligne aussi, presque aussi dur, je dirais, que les rues parisiennes, et ce massif fleuri qui l'accompagne, où on sent véritablement toujours cette alternance de techniques et aussi ce goût pour la couleur qui se manifeste de plus en plus clairement. Ça, c'est un tableau que j'aurais adoré pouvoir faire venir à l'exposition, j'avoue. Donc, je voulais vous le montrer, cette magnifique vue qui s'appelle Les Jardiniers, magnifique vue du jardin potager, où nous retrouvons cet intérêt, je dirais, pour les travaux, entre guillemets, en tout cas qui étaient considérés comme tels à l'époque, les travaux modestes. Et donc, on a vu les raboteurs, on a vu les peintres en bâtiment, et nous voyons aussi ces jardiniers. Caillebotte va manifestement être initié très tôt au jardinage et s'intéresser de près au jardinage. Quand il rencontrera Monet à l'époque d'Argenteuil, c'est lui qui va l'aider à s'occuper de son premier jardin. Et il connaît véritablement bien tout ce qui relève de l'horticulture du jardinage. Ici, nous avons, je dirais, cet alignement impeccable des salades et des cloches de verre qui a un côté presque comique, comme un côté comique aussi cette idée d'arroser avec les deux arrosoirs à la fois qui nous fait penser qu'il faut vraiment rentabiliser le temps. Et puis aussi cette observation très précise, non seulement de la tenue et des gestes du jardinier, aussi les pieds nus par exemple pour ne pas laisser de marques trop profondes dans la terre, et puis aussi l'effet de la terre humide au premier plan, cette grande tache de terre humide qui ressemble, je dirais, aux ombres colorées bleues que nous trouvons dans d'autres compositions. Ici, un tableau vraiment qui est passionnant.
Un autre tableau qui ne manque pas d'intérêt, c'est cette très belle partie de bateau avec ce canotier au chapeau haute forme. C'est probablement une des œuvres les plus célèbres aujourd'hui de Caillebotte. Et elle, effectivement, elle exprime très bien, je dirais, les qualités de l'artiste. Nous avons d'abord cette vue prise de près de ce personnage un petit peu étrange. Le canotage est extrêmement à la mode et on en trouve dans les scènes de canotage, on les trouve dans toutes les compositions impressionnistes de l'époque. Les sports nautiques, d'une manière générale, sont très à la mode, récemment importés d'Angleterre. Et vous avez cet homme qui est manifestement urbain, qui est un Parisien, qui arrive à la campagne, qui s'empare de ses rames, qui ne prend le temps d'ôter sa veste, mais pas son chapeau haute forme, et qui rame. Et vous voyez l'observation, très belle observation, là aussi, des mains. Regardez les mains, comme elles sont solides, comme elles sont énergiques, et on sent que cet homme va vraiment donner pas mal d'énergie à son canot. Vous avez aussi ce traitement du gilet, du visage et du chapeau de forme, qui est assez appliqué, assez en aplat, qui rappelle un petit peu les traitements des scènes parisiennes, qui est déjà beaucoup plus nuancé dans la chemise. Si vous avez l'occasion d'aller revoir ce tableau dans les salles d'exposition, regardez de près comment sont traitées les rayures de la chemise, très légèrement, très rapidement, avec beaucoup d'aisance. Et je dirais de près, vous voyez simplement des traînées de pinceau. De loin, vous voyez effectivement une chemise rayée se recomposer. Ceci est assez novateur et on retrouve ce traitement plus libre, je dirais, dans le rendu de la surface de l'eau, avec tous les reflets à nouveau, cette manière de refléter le ciel et de le rendre plus présent par son reflet que par sa présence même. Ici, les périssoirs sur lierre, un autre, toujours le thème du canotage, mais une vision tout à fait différente. Ici, les canotiers ont leur tenue adaptée de canotier, la tenue des sportifs de l'époque. Et ici, une magnifique étude de reflets à la surface de l'eau. Vous voyez toutes ces taches jaunes, vertes, bleues qui éclatent véritablement, qui là aussi ont fait beaucoup réagir les critiques de l'époque. On disait que Caillebotte abusait du bleu, du vert. Effectivement, quand il décrit la nature, il utilise beaucoup le bleu et le vert parce qu'il en voit beaucoup. Et vous avez de nouveau cette vue en plongée, cette absence de ciel, la lumière, qui est un traitement de la lumière qui est absolument somptueux, non seulement il se reflète sur à la surface de l'eau, bien sûr, mais on le voit aussi apparaître en sous-bois, on le voit apparaître à travers les arbres au fond, et tout cela crée donne une poésie, je dirais, à cette image. Une image là aussi très, très novatrice et même cinématographique, on pourrait dire. On a un petit peu l'impression de voir arriver un canotier au loin, s'approcher de nous, tourner devant nous et sortir du cadre, un petit peu comme si on avait les différentes étapes d'un même mouvement qui se décomposait. Je rappelle qu'à cette époque, les photos de Marais et Muybridge sur la décomposition du mouvement sont bien connues, sont très à la mode, intéressaient beaucoup de peintres, et notamment Degas, par exemple, et qu'il n'est pas impossible que Caillebotte ait voulu évoquer ce genre de préoccupation. Encore une très belle vue, ceci c'est un pastel. Quand il dessine à partir de ces années-là, Caillebotte dessine de plus en plus au pastel. C'est une manière de dessiner directement en couleur et c'est une technique qui a séduit beaucoup d'impressionnistes, Manet par exemple, Degas bien sûr, Monet également quand il peint les scènes de Londres. Et nous avons ici à la fois une très belle image et une image assez amusante, assez drôle. Il est évident que ce plongeur qui, là, a vraiment l'air de poser pour le coup. On n'a pas du tout l'impression d'un instantané ou d'un mouvement saisi au passage, avec ce maillot de bain très, très caractéristique. Et puis cet autre personnage qui est assez amusant aussi, qui manifestement, étant donné sa coiffure, lui s'est déjà baigné, s'est protégé avec un peignoir de bain et qui observe le plongeon de son comparse au premier plan.
Toutes ces œuvres que nous venons de voir, enfin les dernières œuvres que nous venons de voir et qui représentaient le jardin d'hier, ont toutes été exposées en 1879, c'est-à-dire l'année où, à la suite de la mort de la mère de l'artiste, Gustave Caillebotte, le peintre, et Martial Caillebotte, son frère, décident de vendre la propriété familiale. Et donc Caillebotte présente cette année-là une sorte d'hommage magnifique à cette propriété d'enfance où il a découvert la lumière, le jardinage, l'horticulture. Il faut imaginer ce que ça devait être pour les jeunes gens d'avoir cette propriété merveilleuse à disposition, pour les enfants de jouer à cache-cache, pour les plus grands de s'initier au sport nautique. Et donc c'est vraiment une page qui se tourne dans l'existence de Caillebotte. Et dorénavant, la passion pour la voile et pour les régates va remplacer c'est celle du canotage. Dès lors, Caillebotte va se rendre régulièrement sur le littoral pour participer aux régates de Trouville, Deauville ou du Havre. Il s'arrêtera souvent à Vétheuil, puis à Giverny pour voir Monet. Et leurs relations vont évoluer d'une manière, je dirais, plus amicale. Ils ont toujours eu sentiment d'amitié, mais Monet, à cette époque-là, n'est plus aussi nécessiteux, je dirais, que quand Caillebotte l'a rencontré, notamment grâce aux expositions. La figure de Monet comme chef de file de l'impressionnisme s'est vraiment imposée. Caillebotte l'a beaucoup aidé et Monet vraiment commence à vendre régulièrement, donc il est moins en attente, je dirais, de la part de Caillebotte, et leur relation devient plus égale. Ce sont vraiment deux artistes qui se parlent, qui échangent, qui se respectent et qui s'admirent mutuellement, plusieurs témoignages nous sont parvenus. À cette époque-là, l'art de Caillebotte va évoluer très, 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 très manifestement. D'une part, il va se rapprocher très fortement des impressionnistes, en particulier de l'art de Monet, de Pissarro et de Sisley. Et on le voit entrer dans une période d'assimilation d'une technique qu'il va assimiler assez rapidement et très vite dépasser. Ici, vous avez une composition qui reste très, très Caillebotte, bien sûr. Ce qui est un petit peu différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est la très grande fluidité du paysage marin, avec cette limite incertaine entre la plage et la mer, qui est rendue avec beaucoup de fluidité. Sinon, au premier plan, vous avez cette vue sur les villas modernes, hein, qui sont là aussi les villégiatures au bord de la mer en Normandie, sont lancées au Second Empire. Toutes ces villas somptueuses se construisent à cette époque-là, et les Deauville, Trouville deviennent des stations, non plus des petits ports de pêche très, très, très modestes qu'ils étaient avant, mais des stations de villégiature élégante où on pratique la voile et où on se repose sur la plage l'été. Encore plus fluide, je dirais, plus impalpable, ces très beaux tableaux des voiliers en mer, 1892, où on sent très bien, je dirais, l'influence du japonisme, toujours, hein, chez Caillebotte, très clairement. Mais on sent aussi cette volonté d'assimiler une technique qui n'est pas la sienne au départ dont il s'empare avec beaucoup de maîtrise et beaucoup d'habileté. Vous avez cette très grande fluidité dans une composition qui est très proche de Whistler, je dirais ici, mais ce qui les réunit, c'est probablement le japonisme, Whistler étant aussi un des premiers grands japonisants. On retrouve le Caillebotte plus habituel ici avec ses couleurs, en fait, et ce Père Magloire qui se promène sur le jardin. Le Père Magloire est un jardinier qui s'occupe des jardins importants, des villas à Étretat. Et on le voit à partir de 1800, là nous arrivons à la période du petit Gennevilliers. En 1881, la propriété d'hier vendue, Caillebotte, Gustave et son frère Martial acquièrent un terrain au petit Gennevilliers. Le petit Gennevilliers s'est situé juste en face d'Argenteuil, sur l'autre rive de la Seine, et c'est tout à côté du Cercle de la Voile de Paris, ce qui explique le choix du lieu, puisque l'un et l'autre sont passionnés de voile et vont commencer à participer avec beaucoup de brio, non seulement participer aux régates, mais aussi dessiner et projeter des voiliers qui seront d'ailleurs tout à fait imbattables à l'occasion des courses.
ils font construire une maison, et dans ce lieu où vraiment Monet, le fantôme de Monet est très, très présent, parce que Monet n'habite plus Argenteuil à cette époque-là, mais vraiment ce sont tous les sites que Monet a peints avant Gustave Caillebotte qui sont sous ses yeux, eh bien il peint des paysages comme celui-ci, qui sont magnifiques tableaux impressionnistes, il n'y a rien à dire. C'est vraiment remarquable comme technique, comme une composition, comme mise en scène, comme rendu de la lumière. Mais ce sont des choses qui ont déjà été faites depuis 10 ans au moins par ses amis impressionnistes, en particulier par Sisley et par Monet. Mais on sent très bien qu'une fois cette nouvelle technique acquise. Ici aussi, ça c'est un autre thème. Vous avez la plaine de Gennevilliers, représentée ici de manière extrêmement impressionniste. Vous avez le sentiment du vent qui courbe les herbes, vous avez cette touche très libre, très fluide, la présence du ciel, ces choses-là. Là, si on ne connaît pas très bien l'œuvre de Caillebotte, on peut imaginer que quelqu'un d'autre l'a peinte, qu'un Sisley aurait pu la peindre, par exemple. Mais très vite, on voit Caillebotte ressurgir, et son goût des perspectives très franches qui revient, son goût aussi des couleurs très affirmées. On retrouve des couleurs qui sont vraiment celles de ces compositions précédentes, quelque chose de plus en plus structuré et qui très vite évolue à quelque chose comme ça. Et on voit Caillebotte passer en quelques mois d'un impressionnisme classique à un post-impressionnisme qui vraiment annonce certaines compositions quasi abstraites au tournant du siècle, avec cette manière de traiter le paysage comme un assemblage de formes géométriques avec les formes avec les couleurs très contrastées, c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus moderne. De la même manière, on voit aussi ces balance, cet équilibre entre à travers un thème comme les voiliers. Ici nous avons une très belle scène de voilier Argenteuil, mais là aussi c'est superbe, mais on en a vu beaucoup avant, et on en a vu notamment celle-ci par exemple de Claude Monet, qui est d'ailleurs dans la collection Caillebotte et qui est beaucoup plus radicale dans le traitement de l'espace, parce que cette manière de présenter la réalité et son reflet sur le même plan donne vraiment, justement, affirme aussi quelque chose de beaucoup plus radical. Mais très vite Caillebotte va dépasser, je dirais, ce stade d'assimilation, et là encore avec un tableau comme celui-ci, d'abord un sujet tout à fait inédit, avec ce linge qui sèche au soleil, et cette manière de synthétiser le tableau en 4 bandes de couleurs, de synthétiser le paysage qui se sont superposés. Là on se trouve devant quelque chose d'extrêmement moderne et d'extrêmement novateur de nouveau, comme si Caillebotte avait eu besoin de se nourrir aux sources de l'impressionnisme pour aller au-delà très 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 rapidement et avec beaucoup de talent. Même chose pour ce magnifique pont du chemin de fer à Argenteuil, qui est une maîtrise absolument éblouissante, non seulement dans la composition qui est extrêmement audacieuse, avec ce pilier coupé à gauche du tableau qui vraiment cadre la composition et donne vraiment tout son poids au tableau. Aussi, c'est une façon de voir le tableau d'en bas, le pont d'en bas, vraiment tout près et sans aucun avant-plan. Et aussi, vous voyez ce traitement. Alors, si vous retournez voir l'exposition, le traitement de la couleur était d'une autorité, d'une liberté, d'une facilité, je dirais, qui est absolument éblouissante. C'est un très grand tableau, très, très grand tableau dans tous les sens du terme. Et là, je le compare avec un Monet beaucoup plus classique, là, de nouveau. Alors là, c'est le même pont d'Argenteuil, vu plusieurs années plus tôt par Monet, au moment de la naissance de l'impressionnisme, avec cet avant-plan beaucoup plus traditionnel qui tout de suite donne quelque chose de plus classique, moins fort, je dirais, qui a moins d'impact que la scène que nous venons de regarder. Et donc, au Petit Gennevilliers, en 1887, Martial Caillebotte, le frère de l'artiste, va se marier. Et à cette époque-là, Gustave lui rachète les parts de la propriété qu'ils ont acquise en commun en 1881. Et dès lors, Gustave Caillebotte vraiment s'empare de la propriété
et va la développer énormément par toute une série d'acquisitions. Il va créer un somptueux jardin en bord de Seine qui est aujourd'hui totalement disparu, et il va non seulement tripler en un an et demi à peu près par des acquisitions successives, tripler la surface du terrain. Il va faire venir de la terre fertile pour pouvoir aplanir et faire pousser un jardin tout à fait neuf. Il va faire venir un système d'arrosage automatique, parce qu'il est toujours très moderne, Caillebotte, hein, et aussi une serre chauffée qui va lui permettre de véritablement posséder complètement les essences qu'il souhaite. Et vous avez ici, vous voyez, en mai 80, c'est le lot qui a été acheté par les deux frères, et puis tout se passe entre août 97 et novembre 88, donc c'est vraiment pas très long, les acquisitions différentes, et vous le voyez agrandir véritablement son terrain à grande vitesse. Le terrain, le jardin qu'il va dessiner, eh bien, il est aujourd'hui totalement disparu. Il a complètement disparu. C'est devenu un site industriel, le site du Petit Gennevilliers. Je ne vous conseille même pas d'aller voir les bords de Seine à cet endroit-là, parce que vraiment, il reste peut-être juste une rangée d'arbres le long de la Seine, et puis c'est tout. C'est un site en plus très important et très surveillé, aéronautique. Et ici, nous pouvons, pour le connaître, nous avons procédé de différents manières. Nous avons évidemment regardé les tableaux qui nous donnaient des images de ce jardin. Nous avons cette série de photographies prises par Martial Caillebotte, heureusement en hiver, ce qui fait que nous avons vraiment la structure du jardin qui apparaît très clairement comme classique, très à la française, très géométrique, avec des allées bien définies, des carrés, des demi-cercles, et enfin vraiment quelque chose d'extrêmement géométrique qui ressemble assez aux perspectives de Caillebotte que nous connaissons. Et nous avons aussi eu recours aux archives en retrouvant tous les actes d'acquisition, de vente, etc. On a pu comprendre quelle était l'importance de ce jardin et avoir des descriptions à peu près précises qui ont permis tous ces documents ont permis de faire la reconstitution en trois dimensions que vous avez dans l'exposition. Et vous avez donc à droite la maison d'origine de Caillebotte, à gauche le très grand atelier qu'il se fait construire, et il déclare à Monet dans une lettre: je n'ai dorénavant plus d'autre adresse que celle du Petit Gennevilliers. La serre également, que vous retrouvez là très clairement. Ici, vous avez un plan. Alors, ce jardin est là aussi d'une manière très rationnelle, divisé en parties différentes. Vous avez à droite le jardin potager. Ensuite, vous avez le jardin fruitier. La barre, je dirais la troisième portion en partant de la droite, c'est le jardin fleuriste, avec l'idée de collection. Alors ça, on a fait travailler notre jardinier Giverny pour essayer de bien comprendre comment était ce jardin. Il nous a aidé à identifier certaines choses, et notamment des dessins. Et il a dit ça, c'est un jardin de collection. Moi, personnellement, je ne connaissais même pas l'idée de collection de plantes et de jardin de collection, mais ça va tellement bien à Caillebotte que je le rappelle, parce qu'effectivement Caillebotte a beaucoup collectionné, et donc il collectionnait aussi les essences. Et puis à gauche, vous avez le petit bois dans lequel on se promène, avec des allées un petit peu moins géométriques, mais pas trop. Donc voici, alors très vite, Caillebotte s'inspire de son jardin. Ici, vous avez une vue très tôt du jardin potager, le premier jardin. Et quand il se fait photographier, il se fait photographier en jardinier. On le voit ici en train de compter et faire planter les bulbes dans son jardin de nouveau l'hiver. Donc nous avons très bonne idée du jardin. Et je vous rappelle que Monet, lui aussi, très vite, dès qu'il se trouve à Giverny, et encore plus quand il acquiert le jardin, il acquiert la maison et le jardin, se pose lui aussi en gentleman farmer, et beaucoup plus qu'en peintre. Et que le parcours obligé, quand les visiteurs, qu'ils soient journalistes ou jeunes artistes qui viennent voir Monet, le parcours obligé sera toujours la visite du jardin, et beaucoup plus que la visite de l'atelier.
D'ailleurs, Monet déclare toujours que son atelier, c'est le jardin, même s'il fait construire 3 ateliers successifs de plus en plus grands autour de sa maison. Et je voulais vous montrer aussi cette photographie, mais alors beaucoup plus tardive, du jardin de Monet, qui ressemble beaucoup, hein, vous voyez, en termes de structure. Quand on parle du jardin de Monet, du vivant de Caillebotte, on parle seulement du clos normand, c'est-à-dire la partie qui n'est pas celle des nymphéas. L'étang aux nymphéas, la pièce d'eau aux nymphéas, a été élaborée après la mort de Caillebotte. Donc, quand on compare les deux jardins, il ne faut pas penser aux nymphéas, il faut penser à l'autre partie du jardin. Et c'est intéressant parce que ces deux peintres se voient beaucoup, s'apprécient énormément, partagent une passion évidente pour l'horticulture et pour le jardinage. Monet, lui aussi, quand il achète la propriété qu'il a louée dans un premier temps en 90, fait construire une serre, demande à Caillebotte des conseils pour ce qui concerne le système d'arrosage. Et je dirais les deux démarches sont vraiment très, 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 très proches à cette époque-là. Vous avez ici un plan du jardin de Monet aujourd'hui, où vous avez en haut la partie, je dirais, à la française, hein, on appelle le clos normand, mais c'est un petit peu à la française, et puis la partie du jardin, mais tel qu'il a été fini seulement au tournant du XXe siècle, hein, parce que l'élaboration du jardin d'eau a pris vraiment beaucoup de temps, a demandé beaucoup de démarches administratives et a été très longue pour Monet. Et à cette époque, Monet peint très peu son jardin. Ici, je vous montre une très belle étude de pivoine, une étude qu'il n'a jamais ni exposé ni commercialisé, qu'il a gardé pour lui. Il était fier de son jardin, mais il ne le montrait pas encore dans les expositions. Caillebotte, en revanche, lui, d'emblée, commence à peindre son jardin de manière systématique. Rappelons qu'à cette époque-là, Monet va, lui, commencer à entreprendre ses séries, hein, les séries des meules, des peupliers, des cathédrales de Rouen, des matinées sur la Seine, mais pas du tout son jardin. Donc ici vous avez cette très belle vue du jardin du petit Gennevilliers avec cette jeune femme que nous connaissons qui s'appelle Charlotte et qui partage la vie de Caillebotte à cette époque-là, qui est tout à fait officiellement qui est maîtresse de maison d'ailleurs parce que nous avons des recensements et où elle figure un recensement de la population où elle figure véritablement comme amie de Caillebotte qui ne l'épousera jamais. Elle a manifestement une vie un peu plus libre, probablement même peut-être mariée avant, enfin bref, elle a plusieurs identités, on n'y comprend pas grand-chose quand on fait des recherches qui la concernent. Donc elle a dû, il n'était pas possible, je pense, de la faire entrer vraiment dans la famille Caillebotte. Et de toute façon, Gustave Caillebotte, lui, était très libre aussi. Il n'avait pas de problème, enfin je dirais que d'autres peintres impressionnistes ont été beaucoup plus bourgeois que Caillebotte, qui était vraiment... Et donc, quand même, pour respecter, comme elle n'est pas épousée, qu'elle n'est la compagne de l'artiste, aujourd'hui ça pose aucun problème, mais à l'époque c'était quand même moins bien vu, son visage n'apparaît pas, en général, dans les tableaux de Gustave Caillebotte, mais on la reconnaît toujours à son chapeau et à son petit chien, qui l'accompagne dans tous les tableaux où elle figure. Ici, une vue du petit bois que nous avons vu en plan tout à l'heure. Et puis, ces vues qui nous rappellent quelque chose du tableau du potager d'hier, mais beaucoup plus moderne, beaucoup plus exubérant, avec ce contraste très étonnant entre cette allée très stricte et puis cette... exubérance végétale, cette profusion florale qui est très étonnante, qui est vraiment qui dépasse de très loin ce que nous connaissons des jardins impressionnistes à cette époque-là, et qui moi me fait penser plutôt à quelqu'un comme le douanier Rousseau. Sorte d'Éden un peu imaginaire, un peu fantasmé, cette volonté de présenter une sorte de paradis vraiment envahi de végétation, un sentiment qu'on a aussi devant ces très beaux tournesols peints également au petit Gennevilliers, avec cette présence très forte, hein, vraiment les fleurs deviennent le principal sujet du tableau, et puis dans ce très grand tableau important où vraiment Caillebotte
à réaliser, je dirais, cet univers, ce petit paradis sur Terre. Il faut imaginer l'effet que devait faire ce jardin absolument éblouissant en bord de Seine, où on n'avait pas du tout des jardins aussi luxueux, parce que c'est un luxe, évidemment, un jardin comme cela, à l'époque. Donc, vous avez en haut, tout à droite, le toit de la maison. En face de vous, l'atelier de l'artiste, qui est un très grand, très bel atelier. En fait, les grandes verrières sont sur les côtés que vous ne voyez pas, malheureusement. De nouveau, Charlotte, avec son petit chien, hein, et de nouveau, avec son visage à peine discernable. Et puis au premier plan, ces fleurs qui vraiment donnent un sentiment de quelque chose de paradisiaque. Et les fleurs vont devenir un des thèmes favoris, je dirais, de la peinture de Caillebotte à cette époque-là. Il ne se contente pas de les cultiver, mais il les peint aussi à tour de bras. Vous avez par exemple ici ces très belles, les chrysanthèmes sont alors très à la mode. Alors il y a énormément de chrysanthèmes, non seulement dans les tableaux de Caillebotte, ils viennent d'ailleurs du Japon, hein, c'est une importation récente du Japon, comme les pivoines que nous avons vues tout à l'heure, comme les nymphéas également. Enfin, beaucoup de ces fleurs viennent. Et ici, vous avez de nouveau, c'est une composition, je dirais, très japonisante, de nouveau qui reste une très très belle nature morte que là on ne peut pas l'attribuer à quelqu'un d'autre que Caillebotte, je dirais, hein. On est vraiment dans quelque chose de très particulier. Et très vite, il évolue, et vous avez des œuvres comme celle-ci. Cette œuvre, je suis désolée, l'image est horrible, mais le tableau est très beau. Et là où vous avez vraiment, ce n'est plus une nature morte, parce que c'est un massif de chrysanthèmes vu de manière rapprochée, et c'est quelque chose qui échappe vraiment à la catégorie habituelle des genres. Les fleurs envahissent tout l'espace de la toile, affirment vraiment les deux dimensions de la toile de manière très 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 forte, et ça, on se trouve vraiment dans quelque chose d'extrêmement novateur, où Caillebotte, en fait, casse la catégorie des genres. On ne peut pas parler d'une étude botanique, on ne peut pas parler d'un paysage, on ne peut pas parler d'une nature morte. Moi, je trouve qu'on est près d'un portrait de fleurs, quelque chose comme ça. Il faut rappeler que ce tableau a été dans la chambre de Monet, vraiment faisait partie de la collection de Monet, que sa collection personnelle, je vais vous montrer ici un tableau un peu plus tardif, bien sûr, on est en 97, Caillebotte est mort depuis 3 ans, là. Un très très beau tableau de Monet où on voit que cette manière de représenter les fleurs va avoir un avenir de plus en plus marqué jusqu'au tournant du siècle, non seulement chez les Nabis par exemple, mais aussi chez Monet en particulier. Caillebotte donc cultive des fleurs dans sa serre et est passionné par les orchidées et se fait toujours, son frère choisit de le photographier ou lui choisit de poser, je ne sais pas, mais en tout cas ça se passe dans le jardin et dans la serre. Et ici vous l'avez ici, remarquez d'ailleurs, si vous voyez bien le visage, que le visage de Caillebotte a beaucoup changé et que probablement si on a pris les photographies de Caillebotte à cette époque-là et de son jardin, c'est probablement qu'on se doutait qu'il n'y aurait plus tellement d'occasion de le faire. Et donc il est passionné par les orchidées, il les connaît là aussi, il les collectionne véritablement, et il crée des compositions comme celle-ci qui sont d'une modernité absolument étonnante, qui ne ressemble à rien d'autre. Ici vous avez ce Stanopea aurea. Alors j'ai une petite j'ai un petit peu quitté mon texte, et donc je voulais vous citer une citation que je ne trouve plus, mais Caillebotte écrit à Monet, il lui dit qu'il est en train de peindre un Stanopea aurea qui vient de fleurir, qui va durer 2-3 jours et qui ne reviendra pas avant 1 an, et que donc il annule le déjeuner qu'ils avaient l'un et l'autre avec Octave Mirbeau qui lui est écrivain, critique d'art, ami de Monet et de Caillebotte, lui aussi passionné d'horticulture
sculpture et jardinage, et qui est vraiment le troisième qui participe à ce cercle de recherche de fleurs rares, qui visite les expositions horticoles, qui fait tout ça. Et donc voilà, le Stenopea aurea, c'est ça. Si vous tapez ça sur Google, vous voyez apparaître exactement cette fleur-là. Et c'est vraiment d'une originalité rare. Je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement qu'un portrait de fleur. Et là, j'en arrive, je regarde un petit peu l'heure également, excusez-moi, oui. J'en arrive à la fin de cette présentation, qui est le grand décor que Caillebotte commence à entreprendre pour ce qu'on appelle indirectement soit son salon, soit sa salle à manger, pour la maison du petit Gennevilliers. Il n'y a en tout cas qu'une seule pièce dans cette grande maison au rez-de-chaussée. Il y a une pièce et une cuisine, c'est tout. Donc je pense que c'est un grand salon, salle à manger. Il commence par peindre ses portes. Ici, vous avez les panneaux qui sont venus à l'exposition, qui sont traités d'une manière extrêmement originale, avec un sens architectural donné à l'impression qu'on entre dans la serre. Et si certains d'entre vous connaissent les orchidées, ils peuvent s'amuser à reconnaître beaucoup, beaucoup d'essences d'orchidées, et qui sont décrites d'une manière très précise. Mais là aussi, on a cette espèce je dirais d'exubérance, de bonheur, d'envie de se trouver dans un univers végétal qui est tout à fait neuf. Et effectivement, il faut se souvenir qu'il a vécu, comme beaucoup de Parisiens, les travaux d'Haussmann, et que c'est à ce moment-là qu'arrivent les premiers. C'est à ce moment-là aussi que Paris est doté de nombreux jardins publics. C'est quand la ville s'est développée avec une telle intensité qu'est né, bien sûr, le sentiment écologique, que les peintres sont retournés à Fontainebleau, en forêt de Fontainebleau, ou à Barbizon pour retrouver la nature. Alors je vous montre ici ce parallèle entre un projet très similaire que Monet avait réalisé auparavant, hein, donc Monet est le premier là, il avait décoré les panneaux de porte de son marchand Paul Durand-Ruel, mais vous voyez que le projet de Monet était magnifique, bien sûr, mais beaucoup moins original, il faut bien le dire, parce que Monet a simplement peint des natures mortes qu'il a insérées dans les panneaux de la porte, alors que Caillebotte, lui, a vraiment une conception beaucoup plus spatiale, beaucoup plus architecturée, et que l'idée est de nous donner le sentiment qu'on va entrer dans sa serre. Alors, faisait partie également de ce décor qui donc n'a jamais été vraiment mis en place, hein, qui est resté inachevé à la mort de l'artiste, ces magnifiques capucines qui sont des panneaux, là aussi où on retrouve vraiment, vraiment deux dimensions là. Ces capucines se détachent sur un fond brunâtre, on ne sait pas si c'est la terre ou si elles grimpent sur un mur, bref, un fond indéfini, et je trouve qu'on n'est pas très loin de ceci qui va arriver un petit peu plus tard. Ces nymphéas qui flottent à la surface de l'étang de Monet, là aussi quelques années après la mort de Caillebotte. Et puis alors la grande fierté du musée de Giverny qui vient d'acquérir cette œuvre. Cette grande toile, c'était une grande toile qui devait aller de la simèse jusqu'au plafond et qui représentait un parterre de marguerites. Et alors là, plus de fond et de forme qui se détachent, mais simplement des marguerites groupées d'une manière assez rythmée, parce que vous allez retrouver des groupements qui sont les mêmes et qui devaient créer une sorte de mouvement, de rythme dans la composition finale. Cette grande toile reste totalement inachevée à la mort de l'artiste. Personne ne comprend l'intérêt de la chose, manifestement. Et puis, il y avait vraiment des grandes parties qui n'étaient pas peintes. D'ailleurs, vous avez ici des petites parties qui ne sont pas peintes, mais elles étaient beaucoup plus grandes à l'origine. La toile est roulée, mise dans un grenier, totalement oubliée, et redécouverte il y a quelques années par les descendants, les héritiers de l'artiste. Il n'y a pas de descendants, ce sont les descendants de son frère Martial. Donc, retrouvée. Et donc, là, on comprend qu'il faut faire quelque chose, qu'on ne peut pas laisser cette œuvre, parce que c'en est une vraiment, et elle est vraiment intéressante, elle est à mon avis même historique, c'est vraiment quelque chose de très important sur un plan d'histoire de l'art. Donc, ne sachant très bien, le comité Caillebotte décide de couper les parties les plus achevées et d'en faire cette présentation en quatre panneaux,
qui est un peu radical, évidemment, mais qui n'est pas mal quand on pense que vraiment, elle garde l'aspect décoratif qui était vraiment la destination de cette œuvre. Hein. C'était une œuvre destinée à devenir un grand panneau décoratif. Et puis, cette idée de quatre panneaux comme ça fait penser beaucoup au paravent japonais. Et là, rejoignent, je dirais, les préoccupations esthétiques de Caillebotte. Alors Caillebotte meurt en février 92. Je vous rappelle que les premiers nymphéas arrivent à Giverny au printemps qui suit la mort de Caillebotte. Ici, pour vous rappeler la longueur et les difficultés que Monet a eues à élaborer son jardin, il a dû faire des démarches administratives. Vous avez ici un plan proposé au département de l'Eure pour pouvoir avoir l'autorisation de créer son étang, puis de l'agrandir en 1901. Donc vous voyez le temps qu'a pris l'élaboration complète du jardin de Giverny tel que nous le connaissons aujourd'hui, hein. Et puis le résultat, alors je voulais rappeler simplement que bien sûr le jardin de Caillebotte a totalement disparu. Le jardin de Monet, lui, est devenu un des lieux de mémoire les plus visités et les plus connus du monde, je pense, aujourd'hui. Son œuvre s'est développée, a mûri très très longuement. Ici, ce sont les nymphéas tels qu'ils ont été placés au musée de l'Orangerie à Paris après la mort de l'artiste en 1926. Donc, il les a vraiment très médités, sans compter l'élaboration du jardin, si on ne compte que vraiment les premières séries de nymphéas, c'est près d'un quart de siècle qui a occupé Monet à la peinture de ces nymphéas. Évidemment, ce que Monet a ajouté et qui était une idée géniale, c'est l'eau. Et il est évident que c'est l'idée des reflets de cette surface qui unifie et qui crée ce continuum coloré, bleu, rose, vert, de manière absolument admirable. Ça n'a pas été du tout une création spontanée, rapide. Monet éprouve beaucoup de difficultés à achever cette œuvre. Et c'est, à mon avis, ce qu'on peut appeler la chapelle Sixtine de l'impressionnisme aujourd'hui, ce décor absolument somptueux sur lequel je voulais finir cette intervention, tout en vous rappelant que si la peinture de Caillebotte a été... franchement oublié, le seul qui finalement est rappelé l'importance de Caillebotte dans l'histoire du mouvement impressionniste, eh bien c'est juste précisément Monet. Monet qui savait sûrement qu'il lui devait quelque chose, même si évidemment le génie de Monet a été outre, je dirais, du décor du parterre de Marguerite, mais qui lui devait quelque chose et qui a confié à un de ses amis critiques d'art à propos de Caillebotte, s'il avait vécu au lieu de mourir prématurément à 45 ans des suites d'un refroidissement, il aurait bénéficié du même retour de fortune que nous autres, car il était plein de talent. Il a réalisé dans la nature morte des morceaux qui valent les meilleures réussites de Manet ou de Renoir. Il savait de quoi il parlait puisqu'il en avait une chez lui. Et il a peint des portraits de femmes remarquables. Il avait autant de dons naturels que de conscience, et il n'était encore, quand nous l'avons perdu, qu'au début de sa carrière. C'était une manière de dire: Caillebotte n'a pas été qu'un grand collectionneur, ce qui est déjà pas mal, mais il a été aussi un immense artiste, simplement. Il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ses projets. Voilà, je vous remercie, j'ai un peu dépassé le temps, et voilà.